Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos guitare. Aujourd'hui, nous allons apprendre une très belle chanson d'Alanis Morissette, That Will Be Good. Pour apprendre cette chanson d'Alanis Morissette, les accords vont être un petit peu plus compliqués que d'habitude, mais on va s'en sortir très bien. Donc, on commence avec un La. Voilà. Ensuite, on va passer au Ré bémol. Donc pour ça, il va simplement falloir enlever son majeur. Donc La, Ré bémol. Ensuite, Si mineur. Donc ça va être exactement comme un Si barré qui se fait comme ça. Sauf que vu qu'ici on n'utilise pas toutes les cordes, on va simplement faire comme ça. Voilà, et enfin un Mi. Mais pareil, pour simplifier la chanson, il suffit d'utiliser ces deux doigts. Ensuite, on va passer au Fa dièse mineur. Ré. Enfin, Si bémol encore. La et Mi. Voilà donc les accords principaux pour commencer à jouer cette chanson d'Alanis Morissette. On va les revoir dans l'ordre. Donc ça donne ça. La. Ré bémol. Si mineur. Mi. Fa dièse. Ré, Si mineur, pardon, La et Mi. Voilà, et maintenant on va passer à la rythmique. Pour cela, on va utiliser juste, pour les débutants en tout cas, ces trois cordes-là. Donc on va, avec notre pouce, index et majeur, on va venir pincer donc, les deux, trois et quatrième corde en partant du bas. Pendant toute la chanson, ça va être ces cordes-là. Donc, on va les pincer une fois et une deuxième fois derrière. Donc, ça va donner ça. Et entre les deux, on va venir taper un petit peu avec ses doigts sur les cordes. Donc, ça va donner ça. On pince, on tape, on pince. On pince, on tape, on pince. On pince, on tape, on pince. Et de plus en plus vite. On pince, on tape, on pince. Et donc avec les accords, ça donne ça. Donc La. Ré bémol. Si mineur. Mi. Et ensuite, la deuxième partie, après avoir répété deux fois cet ensemble d'accords. Fa dièse mineur. Ré. Si mineur. La, Mi. Et encore une fois. Fa dièse mineur. Ré. Si bémol. Mi. Et voilà, ainsi de suite, on a toute la chanson. Ça y est, désormais vous maîtrisez ce très grand classique d'Alanis Morissette. Donc éclatez-vous, essayez de faire un petit peu des arpèges une fois que vous avez compris le rythme de base. Sur ce, on se retrouve pour d'autres tutoriels. À très bientôt et on se quitte comme d'habitude en musique.